Coucou à tous! Quoi de neuf cette semaine du 15 au 21 mars 2021? Les conseils, l'encouragement et messages de votre guide spirituel pour cette magnifique semaine. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssetou 1111, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Donc, nous avons trois tarts de cartes, trois choix de cartes différents. Il vous suffit de choisir entre les trois différents tarts de cartes. Pour ceux qui sont intéressés par la prédiction et sur l'aspect sentimental, carrière, finance, sur l'aspect plutôt précis de votre semaine, je vous invite à aller sur Vimeo pour voir les prédictions quoi de neuf pour la semaine du 15 au 21 mars. Vous verrez un lien qui vous permet d'accéder à cet service ou à cette option. Donc, pour cette vidéo va être plutôt là pour vous aider à savoir les énergies à mettre en place cette semaine, les messages pour vous, le conseil dans tout ce que vous ferez cette semaine et l'encouragement pour vous cette semaine. Donc, je vous invite avant tout de vous abonner, de liker cette vidéo, de partager, de laisser un commentaire pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi ou de visiter ma boutique magique. Je vous invite à aller sur mon site internet qui se trouve dans la boîte de description juste en bas de cette vidéo. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo sur la nouvelle lune en poisson, je vous invite d'aller voir cette nouvelle lune parce que c'est vraiment chouette. Et voyez, ma bougie est allumée pour la nouvelle lune en poisson. Donc, allons-y, je vous laisse choisir. Vous allez voir apparaître une image des trois différentes cartes et des trois différentes pierres. La première pierre représente la labradorite, ce qui représente le groupe 1. La deuxième est la malachite, ce qui représente le groupe 2. La troisième est le croître rose, ce qui représente le groupe 3. Prenez votre temps. Respirez, inspirez, expirez. Une fois avoir choisi, vous trouverez les heures qui correspondent à chaque groupe juste en bas de cette vidéo. Quoi de neuf cette semaine? Conseils, encouragements et messages pour vous de votre guide pour la semaine du 15 au 21 mars 2021. Allons-y! Donc, c'est parti pour le groupe numéro 1. Quoi de neuf cette semaine pour ceux qui ont choisi la labradorite? Regarde cette énergie. C'est juste... Oh, super! Pour ceux qui ont choisi cette pierre, allons-y pour voir votre conseil, message et encouragement. Donc, cette semaine, nous avons animaux pour vous. J'adore! Regarde ça, c'est juste simplement super. Animaux que je vois, vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes puisque les animaux font partie de l'or de votre vie. J'adore parce que cette semaine, le conseil pour vous, ce sera d'utiliser votre instinct naturel, d'accord? De développer vos sens, d'être à l'écoute aussi de tout ce que vous ressentez et de juste peut-être vous rapprocher de votre animal de compagnie si vous avez besoin de tendresse, d'amour et si vous avez besoin aussi de guérison. Et j'adore parce que ça vous permet aussi de vraiment se reconnecter aussi avec votre guide animal. J'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous, intuitivement, feront appel à votre guide animal quand vous aurez besoin d'avoir confiance en vous et quand vous aurez besoin de conseils. C'est aussi une semaine qui vous apporte aussi le besoin de faire confiance à votre antenne spirituelle et de connecter aussi avec votre animal totem. Nous avons aussi Libre. Ouh! J'adore parce que Libre ressort comme libérez-vous des attitudes de vos passés au niveau de votre
âme, au niveau de votre âme. Donc, j'adore cette énergie parce que c'est une semaine qui permet aussi de libérer tout blocage, libérer toute attitude et de vraiment s'élever vers quelque chose de nouveau. Donc, la nouvelle lune en poisson pourrait avoir énormément d'influence sur votre caractère, sur votre énergie. Je ressens cette semaine comme une semaine où vous allez vraiment réussir à survoler en tout cas les problèmes, laissez-les passer derrière vous et de vous ouvrir en tout cas à l'amour infini. Nous avons aussi l'amitié. Ah, oh, j'adore. Et ce que je ressens ici en termes d'amitié, c'est que je comprends qu'une amie entre dans ma vie pour une raison. J'adore cette carte parce que ça vous permet aussi de vraiment essayer de se connecter avec d'autres personnes, de sortir peut-être de votre isolement, de sortir de votre grotte et de chercher une façon à rencontrer de nouvelles personnes, rencontrer de nouvelles amies et peut-être même de développer une relation avec l'une de ces personnes. Et c'est aussi un message qui dit que peut-être que vous aurez des nouvelles d'un ami ou que peut-être que vous irez visiter un ami, mais une personne va jouer un rôle important dans votre vie cette semaine. Nous avons le voyage, donc je pense que beaucoup d'entre vous vont partir en voyage cette semaine ou que tout simplement cette carte vient vous indiquer que vous aurez besoin de faire un voyage spirituel cette semaine. J'adore un voyage spirituel, quelque chose qui vous libère. C'est comme si, regarde, elle laisse quelque chose derrière elle. J'adore parce que la carte libérez-vous. J'adore parce que nous avons la carte Libérez-vous. Et si vous regardez sur ses bras, on dirait qu'elle laisse tomber quelque chose. Elle laisse tomber quelque chose. On dirait qu'elle se décharge de quelque chose en laissant cette bijou, cette situation qui ne la correspond plus. Elle se dirige vers quelque chose de peut-être beaucoup plus en alignement, même si je ressens aussi une partie mystère dans votre semaine. L'encouragement que je vois ici, c'est que l'univers vous amène dans des situations ou dans des environnements ou dans des choses au cours de cette semaine qui paraîtraient bizarres pour vous. Mais ces situations ou cette possibilité ou cette nouvelle énergie sera quelque chose de bénéfique sur de courtes et sur de longues termes. Donc, il y a quelque chose qui se libère de vous cette semaine. Il y a quelque chose que vous allez remercier l'univers de vous avoir assisté pour, comme si l'univers va être là pour vous assister sur quelque chose ou pour vous aider en tout cas à voir plus clairement cette semaine. Nous avons aussi cessé de plaindre. Oh, cesser les plaintes, d'accord? Les plaintes servent à affirmer qu'on est une victime. Ce qui, d'un point de vue spirituel, n'est jamais vrai. On n'est pas du tout la victime. Reprenez en main le pouvoir que Dieu, l'univers, vous a donné en affirmant que vous avez la liberté et une abondance de choix. Ouh! Une fois que vous aurez acquis plus de confiance et d'assurance, observez comment ces affirmations prennent vie dans la réalité. Donc, je libère mes peurs, je libère la confusion, je libère le doute, je libère tout ce qui me freine, je laisse derrière moi cette énergie et je m'élève vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et je fais ce voyage d'âme sans avoir peur de ce qui passe devant moi ou derrière moi. Je suis tout simplement la direction de mon cœur et je suis aussi mon antenne spirituelle. Et je ressens aussi cette carte comme la non-résistance pour vous cette semaine en termes de message. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, le message pour vous, c'est simplement cette magique, cette magnifique carte, la non-résistance. Je ne résiste rien. Je suis dans l'entière lâcher-prise. J'ouvre mon cœur et je m'immerge dans une solution ou dans une situation à laquelle je suis responsable de. J'accepte ma responsabilité, j'accepte la situation telle qu'elle est, j'accepte que les choses ne soient pas exactement comme je voudrais que ça soit. Je ne contrôle rien cette semaine. Je me livre à l'amour infini de l'univers. Je m'autorise à voir, à accepter. Et qu'est-ce qui se passe? Je cesse les plaintes que j'aurai,
tendance à faire. Je n'ai pas besoin de me plaindre cette semaine. J'ai juste besoin de savoir que tout ira bien pour moi. Et finalement, nous avons le pardon. C'est exactement l'énergie que vous allez travailler sur cette semaine. Je pardonne toute personne, toute situation. Je pardonne les personnes qui m'ont blessé. Je pardonne les situations où je pardonne à moi-même déjà. Donc, beaucoup d'entre vous sera au cours de cette semaine dans une phase de libération, dans une phase d'accueil, de réceptivité et dans une phase où vous ne devez pas être dans la résistance, mais être dans la non-résistance et d'accueillir chaque situation, chaque moment et laisser l'univers vous soutenir, vous aider et de vous apporter tout ce dont vous aurez besoin cette semaine. Donc faites confiance à l'aide de l'univers pour vous cette semaine. Merci le premier groupe. J'espère que ce tirage vous aide. N'oublie pas de liker, de partager, de laisser un commentaire. Je passe au deuxième groupe. Bye! Et si vous avez aussi envie de voir vos prédictions précises pour cette semaine, je vous invite à aller sur Vimeo. Bye bye! Coucou les deuxièmes groupes, ceux qui ont choisi cette magnifique pierre, la malachite. Oh, on ne voit pas. Je voulais vous montrer la pierre. Super, vous le voyez? Super! Donc, allons-y pour voir les conseils, les messages et les encouragements pour vous cette semaine. Donc, nous avons lumière et amour. Oh, j'adore. Donc, lumière et amour, je vous laisse observer votre tirage, votre carte et ressentir toute l'énergie que cette carte vous apporte. Lumière d'amour, nous avons votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Donc, j'adore cette carte parce que ça reflète en tout cas sur votre capacité de guérir. Beaucoup d'entre vous cherchent des réponses cette semaine. Quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce que je suis faite pour mettre en place? Quel rôle je vais jouer dans mon monde? Et cette semaine, vous allez avoir les réponses à vos questions. Et j'ai comme le sentiment que ce message vient pour vous aider à ouvrir votre cœur, à permettre d'accéder dans une information importante que l'univers réserve pour vous cette semaine. Et le message que je vois aussi, c'est que l'amour conquiert tout. Peu importe la situation, si vous êtes dans l'amour, tout ira bien. Et j'adore parce qu'on vous demande aussi de chercher une lumière au fond de n'importe quelle situation. Même si la situation paraît difficile, pardon, même si la situation paraît difficile, compliquée, cherchez la lumière et l'amour dans cette situation. Ne laissez aucune situation vous déstabiliser, vous laisser sans voix. Essayez toujours de voir comment vous pouvez améliorer, comment vous pouvez évoluer, comment vous pouvez avancer et quelle est la solution à mettre en place dans cette situation. Et que ça doit aussi être vu ou observé à travers la lumière et à travers l'amour. Et je ressens aussi cette carte comme le fait aussi d'être un être spirituel et d'être aussi une personne qui travaille pour les anges, les guides ou pour travailler tout simplement pour la lumière. Donc, j'ai comme le sentiment aussi que cette carte vient vous dire que la réponse à vos questions se trouve tout simplement dans votre cœur et la façon dont vous observez cette situation. J'adore cette carte comme ça ressort ici. Oh! Donc, nous avons naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. J'adore parce que ça représente aussi la création. Et si vous regardez cette carte, elle a l'air d'avoir une idée, elle a l'air de ressentir quelque chose, elle a l'air d'avoir l'envie de mettre quelque chose dans la lumière. Ça peut être des projets que vous avez en tête, ça peut être les choses que vous avez envie de voir réaliser. Ça peut être aussi un rêve ou un souhait ou quelque chose que vous travaillez présentement sur. Et j'ai comme le sentiment que cette énergie vous apporte toute l'énergie nécessaire pour pouvoir créer vos objectifs. Donc, si vous avez des idées,
Si vous avez envie de faire quelque chose de différent, fonce, osez, vas-y, faites-le. C'est vraiment la carte qui vous dit, vas-y, fais-le. Le moment est idéal, le moment est propice et durant ce moment, vous allez pouvoir activer un nouveau cycle, un nouvel monde et une nouvelle création. Donc, tout ce que vous rêvez de faire au jour d'aujourd'hui, cette semaine vous donne l'accès ou l'énergie nécessaire pour pouvoir le mettre en place. J'adore parce que nous avons eu aussi la peur comme énergie. Et quand je vois ici, je réalise que je suis testée à résoudre et de changer l'énergie de peur en amour. Quand je vois cette carte-là, en termes de conseils que je pourrais voir ici, c'est que beaucoup d'entre vous pourraient avoir des peurs innées cette semaine ou peur de peut-être lancer quelque chose, peur de réaliser quelque chose, peur de ne pas être suffisant. Il pourrait éventuellement avoir des choses à régler avec la peur. On a tous des peurs totalement différentes. L'univers vous encourage à vraiment affronter votre peur, de ne pas fuir votre peur et de réaliser des choses lumineuses à travers cette peur. Et je le ressens aussi comme le fait de vraiment réussir à trouver une façon pour pouvoir résoudre cette peur innée que vous avez au fond de vous et de le transformer en amour. Donc, si vous avez peur de quoi que ce soit, sache que au cours de cette semaine, vous aurez suffisamment de réponses dans votre cœur et de lumière pour résoudre en tout cas cette situation. Nous avons aussi la dame qui pense. J'adore parce qu'on dirait qu'elle a un livre dans ses mains. Il y a des escaliers derrière. Non, il y a des escaliers devant elle. Donc, elle monte sur quelque chose. Elle est prête à monter, mais elle est assez stratégique. Et je ressens la dame qui pense comme le fait de recevoir les informations à travers vos pensées cette semaine. Vos guides vont communiquer avec vous cette semaine à travers votre pensée. Donc, il est plus qu'important de noter tout ce qui passe par votre tête, de noter toutes les belles idées que vous avez, de les garder dans votre journal ou de tout simplement visualiser votre succès, votre rêve, votre objectif et notez-le dans un cahier. Et plus vous allez le noter, plus vous serez capable de déterminer les stratégies nécessaires pour pouvoir créer tout ce dont vous avez besoin de créer. Et on vous demande aussi de sortir de votre tête et de mettre les choses en marche, ce qui représente les escaliers qui vous permettent de monter en haut. Nous avons aussi, ce que j'adore ici, c'est que nous avons aussi en termes de message d'encouragement, l'horloge. J'adore! Du temps est une réelle volonté d'aboutir, vous donne les résultats nécessaires. Chaque chose arrive dans son temps. Chaque chose est faite pour arriver dans son temps. L'univers vous aide à orchestrer un monde meilleur et vous aide aussi à comprendre quand le moment est idéal, quand le moment est propice. Donc, nous avons aussi choisi un message, puisque en termes d'encouragement, nous avons l'horloge. Un message pour vous, c'est repousser les distractions. J'adore. Votre objectif de vie ainsi que vos priorités cette semaine nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous couper de vos emplois de temps et de votre environnement en éteignant les appareils électroniques et en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. C'est pourquoi elle réfléchit, c'est pourquoi elle est seule là-dedans. Parce qu'elle réfléchit, elle prend le temps d'observer ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour le repousser cette semaine. À qui ça pourrait se pa parler en tout cas? L'univers voudrait que cette semaine vous puissiez repousser toute chose qui vous distraire de votre véritable accomplissement et de votre objectif. Et finalement, nous avons le miracle. Wow, wonders! Le miracle. Donc, il y a quelque chose qui sort de la terre pour vous cette semaine. On dirait qu'il y a une sorte de
de pierre magique ou quelque chose qui sort pour vous cette semaine. Beaucoup d'entre vous vont s'auto-se découvrir cette semaine. Vous allez découvrir quelque chose que vous n'avez jamais pu découvrir de vous-même. Il y a quelque chose qui va vraiment apparaître dans votre réalité cette semaine. Il y a quelque chose de précieux au fond de vous qui va sortir cette semaine. Donc, n'oubliez pas de vraiment chercher à prendre le temps pour méditer, pour vous relaxer, pour aussi écrire vos rêves. Et juste, n'oubliez pas aussi de centrer votre énergie pour pouvoir sortir toute cette partie de vous-même qui cherche à entrer dans la réalité. Donc, pour moi, ça représente la graine et la création de vos objectifs cette semaine. Voilà pour moi. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. Si vous avez envie de voir votre prédiction, je vous invite à aller sur Vimeo pour voir la prédiction. Choisissez une carte de la semaine. Et pour les autres, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, de partager. Et je vous dis à bientôt. Bye! Je passe au troisième. Coucou les chers groupes 3! Quoi de neuf cette semaine? Je vous laisse observer votre pierre pour cette semaine. Le croix trop rose. J'adore. Super. Donc, nous allons voir du coup le conseil, message et encouragement pour vous cette semaine. Allons-y. Donc, première chose que nous avons ici, la sensibilité. Donc, ce que je vois avec cette carte, vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer ce sujet. Wow! Une hypersensibilité cette semaine. J'adore parce que quand vous êtes sensible, vous êtes capable de ressentir des choses et vous êtes aussi capable de changer les habitudes qui ne collent plus, en tout cas avec votre énergie. Donc, cette semaine, le message que je vois ici, c'est que vous développez plus de sensibilité, en tout cas aux choses. Et pour certains d'entre vous, cette sensibilité peut s'apparaître aussi comme des allergies, j'ai des accents. Ça peut apparaître aussi comme le fait d'être irrité, en tout cas par quelqu'un ou par quelque chose. Le fait de tourner votre dos à une situation, d'avoir aussi l'envie de prendre la distance, de vous évader, de nettoyer votre espace ou de tout simplement accueillir toute partie de votre sensibilité. Et c'est aussi une semaine très émotionnelle pour ceux qui sont hypersensibles. Mais ce que je ressens avec cette carte, c'est que vous avez besoin de peut-être être plus à l'écoute de tout ce que vous pourrez ressentir cette semaine. D'accord? Vous êtes vraiment sensible à plein de choses et toute partie de cette sensibilité apporte des informations à comprendre cette semaine. Donc, si vous êtes trop émotionnel, peut-être que c'est la semaine à vraiment comprendre d'où vient la source de cette émotion. Pourquoi vous pleurez pour rien? Pourquoi vous sentez que quelque chose ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? La conversation aussi avec votre enfant intérieur que je ressens ici. Briser la glace. nous avons ici aligné votre vie. J'adore. Et le message que je vois ici, c'est qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Regarde ça. Je ne vois même pas les cartes. Donc, on parle ici de sensibilité et on parle de alignez-vous. Donc, sensibilité, je ressens, je me connecte avec mon enfant intérieur. Je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que je ressens. Et ça peut être quelque chose qui m'irrite ou qui provoque des allergies dans mon corps et qui provoque des colères ou des émotions ou des changements de comportement. Et je sens que toute cette information, toute cette sensibilité, toute cette émotion m'amène peut-être à comprendre quelque chose que souvent, j'essaie de ne pas comprendre. Donc, j'ai comme le sentiment que si vous ressentez cette sensibilité, l'univers veut tout simplement vous apporter des réponses et vous aider aussi à vous aligner en vous mettant dans des énergies qui correspondent à qui vous êtes réellement. Nous avons aussi lâcher prise.
J'adore parce que lâcher prise qui ressort ici, c'est que j'ai lâché prise tout besoin de contrôler. J'adore cette énergie parce qu'on parle de la sensibilité et souvent quand on est trop vulnérable et trop sensible, on a tendance à tout contrôler parce qu'on ne veut pas que les autres voient notre faiblesse ou on a trop peur de se voir faible ou on n'accepte pas cette partie de notre énergie parce que ça représente une faiblesse. Et pourtant, c'est votre force cette semaine. Donc, lâcher prise ici, c'est que beaucoup d'entre vous, en termes d'encouragement et de message pour vous, et en termes de conseils, on vous invite à être dans le lâcher prise par rapport à tout ce que vous pourrez ressentir au cours de cette semaine. Libérez-vous de l'intérieur, de l'extérieur. Accueillir cette émotion. Connectez-vous à cette bonheur, à cette énergie, à cette tristesse, à tout ce qui est à l'intérieur de vous. Et nous avons aussi le stress. J'adore parce que cette énergie ici, c'est qu'elle a l'air d'être hyper soucieuse de plein de choses. Elle pleure sur plein de choses. Elle comprend pas pourquoi elle se sent ainsi en fait. Elle comprend pas d'où vient toutes ses inquiétudes, tous ses stress. Il y a quelque chose qui la trouble. Et si elle fait attention, le fait de penser et de ressentir, elle pourrait aussi avoir des réponses à ces questions. Donc cette sensibilité est aussi représentée par la guérison, parce qu'elle porte un cristal dans ses mains. Donc il y a une guérison essentielle et importante pour vous cette semaine. Mais vous allez vous sentir beaucoup plus chamboulé et sensible, ou il se peut aussi que vous allez devoir aider quelqu'un qui se trouve dans cette situation cette semaine. Nous avons aussi le film. D'abord, avant de vous montrer cette carte, je vais du coup juste voir les messages pour vous. Les messages que je vois ici, demandez la satisfaction de vos besoins. Ouh! Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prête à l'obtenir. Ça veut dire quoi, tout simplement? Quand je regarde cette carte, il faut être dans la lâcher prise, il faut être dans cette sensibilité, dans cette acceptation pour pouvoir savoir ce qui peut être une solution pour vous. Et quand vous savez suffisamment la solution, vous pourrez demander l'aide à votre guide ou à vos anges, ou à Dieu, ou à l'univers pour vous assister. Et pour cela, il faut d'abord le demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, mais le fait, mais de le faire, c'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. C'est exactement ce que je ressentais ici pour vous. Donc, j'ai comme le sentiment que le message ici veut tout simplement vous assurer que vous pourrez éventuellement demander l'aide à vos guides, demander l'aide aux personnes qui vous sont proches, parler de vos émotions, parler de vos sentiments, ou simplement, quand, avant de dormir, avant de vous reposer, demandez à votre guide de vous éclairer sur plein de choses dans votre vie à laquelle vous avez des doutes. Et permettent aussi à eux de vous assister avec toute cette sensibilité que vous avez. Nous avons aussi le film. Et nous avons, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. J'adore. Parce que nous sommes au cours de cette semaine sous l'influence de la nouvelle lune en poisson et c'est vraiment le fait de sortir hors de l'illusion et de entrer dans la réalité. Et pour pouvoir sortir hors de l'illusion, souvent on se plonge, on essaie de plonger dans ce qui est dans notre profondeur et on sort en ayant compris en fait ce qui est nécessaire à comprendre avant de créer quelque chose de nouveau. Donc cette semaine en tout cas, on vous amène à sortir de votre illusion et de entrer enfin dans une réalité qui est plutôt en phase avec vous-même. Nous avons aussi le leadership. J'adore parce que le leadership pour moi en termes d'encouragement, c'est que vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous pouvez imaginer. Votre force, c'est que peu importe ce qui se passe, peu importe les obstacles,
vous êtes capable de toujours surmonter cette épreuve. Donc, peu importe les épreuves qui arrivent, j'ai comme le sentiment que vous êtes prêt et votre préparation commence à partir du moment où vous êtes aligné et où vous êtes dans l'accueil et dans l'acceptation et où vous êtes quand vous êtes dans l'ouverture. Donc, leadership veut dire tout simplement que vous êtes des guerriers, vous êtes forts, vous êtes magiques et vous pouvez affronter toute situation et aussi être plus fort qu'avant. D'accord? Merci. C'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite plein d'amour et je vous retrouve mes autres tirages. Bye! Et si vous avez aussi envie de voir les précisions, la prédiction de cette semaine, je vous invite à aller suivre Mio. Ciao!